Hello, c'est Nao et bienvenue pour la suite de So. Et on reprend avec. Avec celle-là, là. Avec cette délicieuse accro à la picouse, n'est-ce pas? Parce qu'est-ce qu'elle est moche. Bon, bref. C'est super, on a une droguée avec nous. Il nous parle d'où encore? Pourquoi il parle à Amanda? Eh! Oh! Espèce de débile, tu viens ou quoi? Bon, et bah, reste en arrière, hein, tant pis pour toi. Moi, je me casse! Et c'est moi qui ai l'arme en plus, hein. Bon. Attendez, elle me suit pas? C'est normal qu'elle me suive pas? Bah, si, c'est juste qu'elle est lente d'esprit. Ok. Alors. Salut. Ouh, putain! Putain, mais le flashback m'a fait peur, quoi! Chier, quoi! Allez, c'est parti, ça continue! Ça continue encore et encore! C'est que le début, d'accord! Bon, inspecteur, c'est votre obsession pour moi qui a détruit votre vie et vous a conduit ici, comme un rat fuyant, là! Lumière du jour. Je crois que vous connaissez quelqu'un ici, votre vieil ami de la police, Fanning Foster. Oh non, quand Jean est sauvé là. Faudrait peut-être l'interroger sur le délit de fuite sur lequel vous avez travaillé. Enfin, s'il est encore vivant. Et il est là-bas. Quand vous le trouverez, pardonnerez-vous à celui qui a trahi la justice pour se protéger? Dépêchez-vous, inspecteur. Et l'autre? L'autre greluche, elle est restée en haut, bah tant pis. Pas l'attendre. En fait, à tous les coups, elle continue peut-être pas avec moi, elle va aller je sais pas où. Tant mieux! On est mieux tout seul, hein. Je sais pas ce que je viens de prendre. Pourquoi j'ai mon cœur qui fait bloum bloum? Il est où le dossier? Non, en fait, j'ai pas envie. Aïe! Ouh putain, mais elle m'est rentrée dans la tête! Vous croyez que l'homme que vous avez tué a appelé à l'aide comme vous avant de mourir sur la route? Comment vous savez ça? J'en ai parlé à personne! Vous l'avez caché! Mais comme tout ce qu'on enterre, ça finit toujours par pourrir de l'intérieur, non? C'est dégueulasse! Vous avez rejeté ceux que vous aimez. La ferme! À l'aide! Au secours! Bip, merci. Ah ouais, c'est bien, laisse-la derrière moi, c'est très bien. Ah, fais-toi emmener par le cochon! Ouais! Non mais c'est bien. Tout est en place, bonne chance, inspecteur. Ah, merci, il m'a débarrassé d'elle. Oh mon dieu. Ah, ça fait plaisir, tiens. Ça, je me suis dit, non, on va se balader avec un deuxième personnage, non, non, non. Surtout avec une grosse droguée, super. C'est lui? Non, je crois pas que c'était lui. Ça me fait tellement rire quand je vois ça. Ennemi ou ami? Ben, je sais pas, mais de toute façon, il est mort. Alors, c'est un peu tard maintenant de... d'en discuter, quoi. La clé, comme votre vie, est au fond du baril. Oh oh. Baril d'acide. Je sens que ça va être cool, ça. Bon, bah, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Bon, t'es prêt à te faire. À te faire déguster la main? Et c'est parti! Ça pique! Elle est là! Ah, ça, j'avoue, ça doit faire mal! Oh, ça t'a piqué! Attendez, franchement, je pense qu'on plonge sa main dans un baril d'acide comme ça, avec autant d'acide et tout. Ça m'étonnerait qu'on ressente la main entièrement comme ça. Pas expert de l'acide, mais ça un peu gros quand même. Cartouche de fusil. Oh, j'en veux un fusil. Fil de détente. Ou alors je vais pouvoir piéger une porte. C'est pas impossible. Le danger vous guette dans l'univers du tueur puzzle, mais lorsque vous marchez, attention au fil de détente que vous devez désactiver avant qu'il ne se déclenche.
pouvez les réarmer pour les utiliser contre vos ennemis. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'ils m'ont donné un truc. Si vous avez l'équipement nécessaire. Il y en a un là? Ah putain, bah oui, je l'avais même pas vu en plus. Désarmer. C'était trop facile. Putain, j'ai intérêt à regarder de partout alors, sinon je vais crever toutes les 5 minutes. Oh, deux. Putain, ça, il faut que j'oublie. Regarde le gardien de Paco de Paix. La voie devant vous est votre premier défi pour atteindre votre ami. La vapeur de ces tuyaux vous tuera. Trouvez un moyen de la dévier ou dites adieu à votre vie et à celle de ceux qui vous entourent. Ok. Sauf que j'ai pas de valve. Je trouve une valve. Bordel, je vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, pas toi, pas encore. Fais chier ce cochon. C'est qui lui? Ah, c'est mon ami. Ah non, c'est le mec qui est mort tout à l'heure. Mais il avait plus sa tête. Bon, en fait, j'en sais rien. En fait, je sais pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? J'incarne un autre personnage d'un coup? Ah non. Enlevez-moi ça! Pourquoi ils essayent de me tuer maintenant? Super! C'est écrit quoi? Attendez, faut que je me mette. Darkness Illuminate. Attendez, il y avait un truc. Et du coup, j'ai même pas entendu ce qu'il m'a dit. Les ténèbres illuminent. Oui, bah j'avais compris. Je sais que je suis nul en anglais, mais quand même. C'est quoi ça? Je sais pas. Porte déverrouillée. Ouais, mais j'ai pas de clé. Non. Activer. Ah, il y avait un truc. Ok. C'était quoi cette petite musique toute belle? Encore! Vous vous souvenez sûrement de ces toilettes. Un trône parfait pour votre nouveau royaume, non? Qu'est-ce que c'était drôle. Bon, allez. C'est trop simple en fait ça. A chaque fois j'ai l'impression que je vais pas l'avoir, mais en fait. En fait ce jeu est simple. En fait. J'aurais presque dû le prendre en mode difficile, mais bon. Je vous avouerai que j'ai un peu la flemme de tout recommencer maintenant. Bras de mannequin. Ah ouais! Oh, je vais me battre avec eux. Tiens! Prends un coup de bras de mannequin dans la gueule! C'est trop bien, je me bats avec un bras. C'est dommage que ça soit pas un vrai bras, ça aurait été encore plus marrant. Bon. Pour apprécier la vie que vous avez négligée, je vous laisse un choix. Le collier se déclenchera dès que vous... Allez, t'es pas assez rapide. Dès que vous approcherez de TAP. La clé de ce collier se trouve dans son corps. Si vous ne la récupérez pas avant la fin... Ouais, en fait, il dit ça à tout le monde, quoi. Pour que tout le monde essaie de m'étriper pour avoir la clé. Tous les coups, j'ai même pas de clé dans le corps. Je vais peut-être... Bah non, je peux pas y refermer derrière moi, de toute façon. Collier piégé. Votre collier piégé réagit à certains ennemis munis des mêmes colliers. Lorsque vous êtes près de l'un d'eux, les voyants de l'arrière de votre collier clignotent. Plus l'ennemi est proche, plus les clignotements seront rapprochés, plus votre collier explosera rapidement. Restez à garde des ennemis possédant un collier. Si vous restez suffisamment loin, le collier explosera. Vous activez. Oh merde! Oh là 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 là, ferme la porte! Non! C'est pas ce que je voulais faire. Au secours! Mais non! Mais il fait chier ce gars! Je vais crever, 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 je vais crever! Putain, mais casse-toi! Oh non, ça va être super chiant ça, quoi. Et comme par hasard, son collier, il a pas explosé, quoi. Alors ça, je vous préviens, ça va être super relou, quoi. Je vais avancer un peu. Ferme la porte! Verrouillé! Verrouille!
Casse-toi. J'ai pas envie de crever, moi. C'est bon ? Il a explosé, lui, ou pas ? Merde, j'aurais peut-être pas dû m'éloigner autant, parce que du coup, il a pas explosé, lui. Oh ! Chier. En plus, notre personnage, il est pas réactif, alors pour faire des trucs rapidement, c'est grave la merde. Hein. Putain, je ramouille. Je sais pas trop où je vais, mais... Coffre du tueur au puzzle. Ah, j'ai pas de quoi le déverrouiller. Ah si, maintenant j'ai... Okay. Ah ! Quoi ? Enlever, installer, quitter. De faux. Ça fait juste 3 heures que j'essaye de résoudre ce puzzle. Oh putain, c'était chaud, hein. J'espère que je vais pas crever à cause du mec, là, parce que je vais péter un câble. Je vois pas du tout où je suis. Je sais pas où il est passé, l'autre. J'espère qu'il est pas là. Pétard, puis je vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Fouiller la zone pour trouver le volant de la valve. Ok. Fouillons la zone. J'ai trop les boules maintenant qu'un mec arrive là. Je peux pas fermer les portes ni rien. La galère, puis on peut pas être rapide, quoi. Je vais verrouiller sécurité. Oh non, bah merde, il est là. Non, 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 vite, verrouille. Allez, ah, mais il a pas de. Non, je suis bête, il a pas de casque, lui, donc c'est bon. Et tiens. Tiens, coup de bras dans la tronche. Tiens. Tiens. Elle frappe. Frappe. Non, il veut de nouveau plus frapper, je vous jure. Hein. Putain, non, 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 je veux pas crever. Hein. Je vous préviens. Hein. Mais il veut pas frapper. Frappe. Putain. Et les combats dans le jeu, ils sont vraiment mal foutus. Hein. Je suis désolée, mais c'est vrai. Je les ai pris ? Je sais pas. Alors, pour se soigner, je crois que c'est 3. Oh, oh, épicouse ! Oh oui. Ah. Ça y est, je suis transformé en drogué, moi aussi, super. Béon ! Alors. J'espère qu'il n'y a pas d'autres gars. Ah, mais plein, en fait, ouais, je peux pas y ramasser leur truc. Ah, mais il était juste là, le mec, en fait. D'accord. Il y a un rat. Putain, je l'ai vu en plus, ça m'a fait peur. Oh, il va pas me faire revenir trop loin. Hein. Il me fait recommencer où là? Oh. Attendez, il me fait recommencer tout au début? C'est vraiment sérieux? Faut que je rouvre le coffre et tout? Oh non. Sérieux? Sérieusement?
Oui, je sais. Ferme la porte. Vite, verrouille. Je suis pas trop près, j'espère, si. Ça y est, elle est morte. Oh, faut tout, je recommence. Je vous avoue que j'ai un peu les boules là. Je sais pas du tout. Non! Oh non. Allez, je suis bonne pour tout recommencer encore une fois. Tiens, voilà. Faut du cube. Voilà. Étau d'armes. Ouais, je m'en fous un peu. J'aimerais bien trouver cette valve et avoir une sauvegarde. S'il vous plaît. On est mort de recommencer là. Bon. C'était où je m'étais fait avoir? C'était là. Hein. Voilà. Ça pue du cul ça. Les amis qui vont arriver, chant. Sorti. Bien tout que je regarde. Ok, il est mort tout seul comme un con. Bravo. Donc là, je désactive l'électricité. Ok. J'ai pris quoi comme arme là? Bien trouvé. Je m'en fous. Lampe de chevet. Non, ça va aller, merci. Oui, la valve. Oh, putain. C'est le gars dont on nous a parlé. La ferme. Quelqu'un. Oh là là là, ça pue du cul. Oh, point de sauvegarde, merci. J'aurais pas recommencé encore toute une fois. Je m'en fous, moi je vais me les faire. J'ai pas peur. Hein. Juste me soigner avant. Ah. Parfait. Eh bien. Tiens. Tiens. Et voilà, et bien. Viens là toi aussi. Viens là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Viens là. Mais monsieur, il veut pas me tuer. Viens là. Putain! Mais des coups! Je peux pas le tuer, lui? Bon, bah, va chier. C'est pas grave. Bon. On va essayer de pas mourir. Et on va essayer de fouiller un peu, du coup, maintenant qu'on a enfin eu une sauvegarde. Hop. Hop. Hop, y'a rien. Ok, super. Porte verrouillée de l'autre côté. Je vais essayer de retrouver la boîte là, même si j'ai pas trop envie, parce que je pense qu'il y a quand même des trucs intéressants qui pourront me servir. Lui est toujours là, il veut toujours pas m'attaquer, me faire foutre. Ah, un clou, j'en ai déjà. Il y a rien. Là, il y a lui. Oh hey, tape, 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 tape. Mais putain, sérieux, le système de combat est trop mal fait, quoi. Au secours. En fait, s'il nous tape, eh ben, on peut pas taper. Voilà. Du tour par tour, c'est n'importe quoi. Hé, hey, tape! Mais tape! Voilà, c'est bien. Et toi, tu m'attaques pas? Non, non, il veut pas m'attaquer, lui. Oh putain, je crois que son truc va péter. Ah non, il va... Il faut savoir, tu veux me taper ou tu veux pas me taper? Tiens, voilà. C'est fait. Ça va pas me péter à la gueule, hein, son truc, hein. Ah, c'est bon. Ça lui a juste égartelé la mâchoire en deux. Bon, alors.
On va essayer de pas crever. Là, y a rien. Ah oui, j'aimerais retrouver la malle. Putain, par contre, on va devoir recommencer, quoi. Ça fait chier. Et en plus, c'est pas le même que tout à l'heure. Merde, ça y est, c'était une connerie. Ok, ok. 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 Et ok, bon, lui, il était tout simple. Tant mieux. Ah, non, bah non, j'ai rien dit. Bon, allez, j'aimerais bien arriver à sortir vivant, là, ce serait cool. On va fermer la porte. On va la verrouiller, comme ça, au moins, on devrait être tranquille s'il y a d'autres gens. Okay. Alors, attendez. Point de sauvegarde. Ouais, je vais continuer encore un petit peu. J'ai vraiment 5 minutes. Alors. Parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de transitions du coup. Attendez, j'étais censé faire quoi? Enfin, surtout aller où? Je sais déjà plus. Ah, j'ai trop un fusible. Hop. Ok. Oh putain, non. Allez, crève. Crève. Et crève. Voilà. Comme ça, son collier ne saute pas et tout va bien. Je vous avoue, je sais plus trop où je vais. Je sais plus trop ce que je fais, mais c'est pas grave. Hop. Et hop. Nickel. Ça. J'ai recommencé 14 fois le passage d'avant, mais maintenant on avance un peu. C'est cool. Ah non, attendez. Manche à balai. Je prends quoi comme arme, manche à ba... comme, comme arme? Un manche à balai ou... ou une béquille? C'est vraiment génial. Et je vous avouerai que je suis un peu paumé là. Ah si, j'étais arrivé là. Je sais plus trop. Ah, tuyau. Je prends un tuyau. Je pense que ça fait plus mal quand même. C'est quoi cet endroit? La détente, cartouche de fusil. J'espère qu'il n'y a pas d'autres pièges. Je sais pas où je suis là. À descendre par là. Hein. Allez, descend. Parce que là-bas, j'étais censé retrouver l'endroit où j'allais mettre ma vanne, mais. No escape! J'ai pris quoi là? J'ai encore pris une béquille. Non, je monte tuyau. Porte déverrouillée. Alors. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien du tout. Boîte à pharmacie, en plus, c'est plein. Super! Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Quoi? Quoi, 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 quoi? Oh putain, 3! Ouf! Failli avoir la tête coupée encore. Hein. Oh putain, 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 putain. Oh non, en plus c'est ça quoi. Faut se dépêcher de faire ça, c'est sérieux? C'est pas possible. Ah bah ça c'est bon. En fait, c'était pas si dur que ça. Tip top. Là, y'a rien. Là, j'ai trop de santé, moi. Là, il fallait faire tout ce bordel pour retourner jusqu'au van. Ah ouais, apparemment. Point de sauvegarde. Et là, par contre, je vais m'arrêter ici. Du coup, je sais pas trop si mon épisode sera long ou pas, parce que y a tellement de moments où j'ai dû recommencer et tout, que bon. Voilà. Bon, j'espère tout de même que cet épisode vous a plu. Et bah, n'hésitez pas à commenter, à me donner des idées, machin, etc. Comme d'hab, voilà. Allez, bye. Oh, j'avais pas tombé là, non? C'est quoi ce jeu? Oh, mon cerveau est en train de s'exploser.